Bon, là, je vais venir faire un départ pour les tuyaux d'alimentation des autres points d'eau. Là, ça va être un peu compliqué parce que je vais devoir couper plus court que vous imaginez, plus court que la largeur du T. Donc, je me mets un peu au milieu de ce tube pour pouvoir espérer le faire rentrer en faisant jouer avec la flexibilité du tube. Donc, il faut que je prenne la bonne largeur. On laisse un petit peu de marge. Et là, pas le choix, faut meuler. Pour pouvoir braser le haut des T qui vont raccorder le reste de l'eau, il faut que je prépare ce qui va venir ici. Je vais utiliser ça. C'est un tube de cuivre recuit. Quand il est recuit, il est chauffé et il devient malléable. Alors, c'est pas non plus super rigide, mais c'est moins rigide que le tube. C'est moins rigide que le cuivre écroui. Dur à dire. Du coup, je vais en couper une petite longueur et je vais faire un profilé pour qu'il fasse ça, pour qu'il puisse être ensuite reconnecté, sans doute d'ailleurs plutôt ici, pour qu'il puisse être reconnecté à un tube droit qui va passer, lui, dans le mur de la salle de bain. Voilà, donc j'ai mon petit bout de cuivre coupé. J'ai acheté un ressort à cintrer. Donc le principe, normalement, c'est toujours ma première fois. Il faut venir glisser le cintre à l'endroit où on veut cintrer. Pour l'instant, c'est logique. Et on n'a plus qu'à exercer une pression un peu plus forte que ce que je pensais. Je suis venu exercer une pression et voilà, grosso modo, j'ai déformé le tuyau normalement sans le plier. Parce que c'est ça la problématique. Si on le pliait comme ça, on plierait la. Si on voulait le courber comme ça, on plierait la matière et ça pincerait le tuyau et l'eau passerait pas. Alors, voyons voir si ça a marché. Voilà, le tuyau est courbé, n'est pas plié. C'est une petite œuvre d'art d'art nouveau. Alors, avant de continuer, je me suis acheté des petits bouchons. Alors ça, c'est des bouchons un peu particuliers. C'est universel et il n'y a aucun montage à faire. On a juste à les clipser et c'est étanche.
Donc ça existe pour tout un tas de raccords. C'est beaucoup plus cher, mais si on veut pas s'embêter, c'est pas mal. Donc moi, j'en ai juste acheté deux pour pouvoir les mettre au bout des tuyaux là. Voilà. Là, c'est étanche. Donc là, je vais pouvoir allumer l'eau et vu que c'est bien étanche, et ça j'en suis sûr, ça, je vais pouvoir vérifier si l'œuvre d'art que j'ai faite fonctionne. Allez, c'est parti. Ça y est, j'ai fait mon montage à blanc. J'ai mis tout ce que je devais mettre. Donc là, je vais devoir faire plein de petites soudures. Ça va être sport. Mais ça va le faire. Jusque-là, aucune faute. Donc. Donc toujours commencer par le bas. Parce que la chaleur monte, et donc si on finit par le bas, on va défaire la soudure qu'on vient de faire. Au moins, ce qui est pratique avec la chaux, c'est que ça marque pas. Je peux y aller tranquillement, j'ai pas besoin de protéger le mur. Normalement, ça s'est bien passé. Là, je suis en train de préparer les évacuations. Donc, j'ai pris du cuivre parce que c'est aussi joli, j'adore le rendu. Là, j'ai juste mis ça en place, mais j'ai trouvé une évacuation en cuivre de 40 mm, qui est la taille de l'évacuation que je dois mettre. Je l'ai pas encore reçu, mais du coup je mets un peu tout en place et il y aura que les parties cachées que je fais en PVC. Le reste, sur toute la hauteur contre le mur, je vais le laisser en cuivre. Ça va être très très joli. Donc là, je dois faire arriver l'évacuation de la douche. Il y aura aussi l'évacuation du lave-linge. Et donc je vais faire toutes les connectiques entre les deux pour que ce soit prêt dès que je recevrai le tube de cuivre. Bon, les colliers ils sont constitués de trois parties. Cette drôle de vis à double pas de vis qui vient se visser sur le collier. Et on met un petit, je sais pas comment ça s'appelle, un petit truc là pour que ça vienne se caler et espacer correctement le collier du mur.